Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 9 de Pokémon version rouge. Je suis avec GGMVX. Salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve devant le casino. Et vous allez pouvoir voir que j'avais pas menti, j'avais fait monter mon Mew et mon Voltaire, mais j'ai pas réussi à les faire monter au niveau 31, dommage. Enfin bon, ça c'est rien. Parce que j'ai prévu de faire un autre truc de les monter niveau 31, à part peut-être Voltaire. Mew, il va rester à ce niveau-là tant que Reptincell est pas niveau 36, donc n'aura pas évolué quoi. Allez, on entre dans le casino, on a des trucs à y faire. C'est parti. Je surveille le poster, bouge de là. Le petit Team Rocket. Ouais, il fait trop peur. Attaque, ouais, je vais me le faire. Voilà, Voltali, il rigole pas. Et le Nosferalti, Voltali. Voltali, mec, il vaut largement le Raichu que j'ai dégagé. Parce que oui, je l'ai quand même fait évoluer. T'en avais parlé dans l'épisode 1 ou 2, je crois. Donc ça date. Ouais. Allez, maintenant, faut déloc la base. Et on va aller les tataner un par un. À commencer par lui. Soporifique, j'ai rien pour taper dessus. En même temps, les attaques insectes ténèbres. Les attaques ténèbres n'existaient même tonnerre, pas. C'est tout. Bah ouais, je sais bien. Je sais même pas si ça va le tuer avec son spéki là, lui. Non. C'est sûr, quand même. Et Voltali, il tape bien. Hein. Et c'est que Soporifique, c'est pas Hypnomade. Hein. Ouais, j'avoue quand même. Hypnomade, il l'aurait pas one shot. Quoique à ce niveau-là, je sais pas. Bah, du même niveau que toi, non. Non, du même niveau que moi, non. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai montré les niveaux, mais pas leurs stats à mes pokés. Alors voilà, effectivement, comme vous voyez, Voltali, que j'ai même pas touché, il rigole vraiment pas. Ah, mais tu sais pas vraiment les entraîner, il n'y a pas de... Si, il y a des EV, il y a des EV. Ils sont... Tu sais pas les retoucher, hein. Si. Bah non. Si, t'as des fers, des protéines, des carbones, oui, et oui, des calciums, et des PV+, et tu peux toucher à leurs, IV, à leurs EV, ça je peux te le dire. Alors le Mew un peu lent hein, mais fort, ça me fout un peu les boules quand même. Mais bon, j'ai quand même Mew quoi. Alors ici, je crois qu'il y a un objet à récupérer et un Grunt à battre. C'est pas tout, que tous vos plans que j'ai cassés les gars. Attaque. Ça picote, ça chatouille. Allez, le Rattata numéro 2, il va tomber aussi. Et normalement, je pense que mon Voltalimon niveau 30... C'est pas des adversaires durs, hein, mais non. Tu verras Giovanni après. Giovanni. Voltali, il fera pas grand-chose. Hein. Ah non, il fera rien sur les deux premiers, non. Mais qui t'a dit que je comptais forcément sur Voltali pour défoncer Giovanni? Ouais, bah je m'en doute. D'ailleurs, Voltali doit rester en première ligne après Reptincelle. Ouais, il y avait bien objet. J'ai une bonne mémoire quand même. Oh putain, une corde sortie de merde. Allez, on descend encore un peu plus bas. On va leur faire leur fête. Oui, c'est le cas. C'est juste les fantômes dans la tour Pokémon de l'avant-ville qui est casse-couille. Mon Reptincelle aussi, il rigole pas d'ailleurs avec son attaque tranche parce qu'il crit à chaque fois. Et donc il one-shot pas mal de monde avec cette simple attaque. C'est dommage que le Dracaufeu ne sache pas faire vol. Allez, tunnel, heureusement, Smogogo, lévitation, ça n'existe pas à cette époque. Et il crève.
Tas de morve. C'est vrai que quand même les glitches étaient vachement moches à l'époque. Hein. Moi j'aimais bien. Bah, moi aussi, j'aime bien. Moi ça me dérangeait pas en soi. Mais... C'est vrai que par rapport à maintenant quoi. Bah franchement, moi je préférais les sprites à maintenant, ils vont jamais changer le. Par la qualité, ouais, c'est vrai que maintenant, par la qualité de l'image, ils vont plus jamais changer les trucs. En HD et tout, c'est pas le cas en 3D, ils l'ont raté, moi je trouve. Hein? De quoi? Pas le cas en 3D sur la 3... sur Sun and Moon. Et sur. Sur quoi déjà? Je suis un peu. Oh, ça craint. Nord, XY. XY, ouais. Maintenant, sur Alpha et Saphir. Remake, franchement, je trouve que Palkia sur 3DS, ils l'ont raté. Dialga est plus beau. De toute façon, Dialga a toujours été plus beau. Moi, je trouve pas, il ressemble à Palkia. Non. Si. Non. Mais alors, vraiment pas. Déjà, ils ont pas la même couleur. Ils ont pas le même type, à avoir le type dragon. Là où ils se ressemblent, c'est pour leur puissance et leur force, mais c'est tout. Hein. Allez, Machop, au revoir. Bientôt évoluer. Dans deux niveaux, ouais. J'aurai mon drac au feu, qui aura que flamèche pour se battre. Étrange. Ouais. Ouais. Ça va être bien. Et en plus, il a coupe. Putain. Ça me fait trop chier. C'est bien, coupe. Non, c'est de la merde, coupe. Bah ouais, d'office. Bon, là ici, je sais que je peux récupérer un super bonbon, donc ça, je vais le faire tout de suite. Et je vais pas m'emmerder, je vais le coller à Voltali. Comme ça, il sera niveau 31, ouais. Tout de suite. Et voilà, toi tu bouges pas. Non mais t'es sérieux? Bien sûr que non, je vais pas t'apprendre à l'éclair. Hein. Attends, il a tonnerre et il voudrait que je lui apprenne l'éclair. Ouh là, t'as vu sa SP mec? Elle est montée de 6? Bah ouais. À moins que j'ai raté un épisode. Ah bah oui. Alors, combien il lui faut d'XP à lui pour grimper? 2797. Et à lui... 2900. Aussi, bah c'est Trio Pitcher qui passe quand même. Vous allez me demander pourquoi il y a un tel écart entre Mew et Reptincelle, bah c'est normal, j'adopte la même stratégie que mon rival. C'est-à-dire que le type psy de mon équipe, bah il va être beaucoup moins fort. Enfin beaucoup moins fort. C'est Mew. C'est quand Mew. Même. C'est quand même Mew, mais bon, il va pas être aussi rapide que Dracaufeu, ni que. Il sera même moins fort que Voltali. Quand même. En attaque SP, oui. Oh, bah, en vitesse aussi. C'est juste qu'il sera plus coriace au physique et plus fort. Voltali est plus rapide que Mew. Hein. Largement. Bah oui. Il a 30 points de base de plus. Il est même plus puissant que lui. C'est vrai qu'en termes de stratégie, à l'époque, bah, il n'y avait pas grand chose. Hein. Ouais, il y avait rien. Ouais, c'est clair. Tu plaçais un Alakazam protection, tu défonçais toute une équipe avec Psycho, tranquille. Parce que. Ou avec point glace. Enfin non, tu lui apprends tous les points, comme ça l'histoire elle est réglée tout de suite. Plus Psycho. Et là tu te faisais toute l'équipe adverse parce que à l'époque les attaques points étaient des putains d'attaques spéciales. Et comme Alakazam il tape que sur le spécial. Mais au moins c'est bien. Il est rapide. Très rapide. Ben ouais. Bah, aussi rapide qu'Arcus, je crois. Ouais, aussi rapide que lui. Un PV plus, bah, je vais le donner à celui qui en a le moins. Et je crois que c'est soit Trio Picker. Eh ben oui, c'est Trio Pitcher. Combien a-t-il gagné avec ses 10 IV? Un seul, ok.
Alors lui va pouvoir nous filer la clé de l'ascenseur. C'est justement pour ça que je viens là tout de suite. Smogo. Allez, Reptincelle. Tunnel. Et lui me dit que Giovanni il est dur. Ha ! Il est nul à chier. Il n'y a que Kangourex qui est chiant à tuer. Parce que limite les deux autres, Onyx et Rhinophéro, je me les fais avec Trio Picker et Tunnel tranquillement. Sans m'emmerder. Ouais, c'est d'office. Bah ouais. En plus, Trio Picker, je crois que dans 5 niveaux, il est censé apprendre séisme. C'était 2, ça c'est coupe-vent. Et non, la CT2 c'était pas Dracogriffe. Parce que Dracogriffe n'existait pas. Niveau des capacités dragon, il y en avait qu'une et elle, en plus elle était nulle. Sauf pour des Pokémon de très bas niveau. Dracoache. Voilà. Utile juste pour ces, pour ça. Alors franchement. Le type dragon, on le vénère dans ce truc-là, mais tu lui fous un Loclas ou un Articodon devant lui, il sait rien faire. En plus, il y en a que 3, alors il sait davantage rien faire. J'ai eu le temps de bailler 10 fois. Mais alors, ça c'est quoi, une pépite? Voilà, je vais pouvoir la revendre. Ta-ta-ta-ta. Là, c'est une pierre lune et à côté, je crois que c'est en palcorne. Ce serait pratique pour Mew, ça. C'était 7, ouais, c'est ça. Ça, c'est en palcorne. Sûr. Alors ici je vais pas aller chercher tous les objets parce que ça va prendre plus de temps que prévu et ça me saoule à l'avance. Mais je vais quand même aller fracasser tous les membres de la Team Rocket pour gagner un max d'XP et faire évoluer Reptincelle en Dracaufeu. Ouais, ça serait bien que tu le fasses sur cet épisode en tout cas. Quoi, l'épisode un Dracaufeu? Bon, ouais. Ce sera déjà là, hein. Je me foule pas, moi j'utilise tranche ça et ça crit à tous les coups dans ce jeu. Bon, lance-flamme, pas sûr que tu le vois aujourd'hui. Niveau 46 lance-flamme. Ouais. Donc pas aujourd'hui. C'est comme si je voulais hydrocanon, tu vois, sur Tortank alors qu'il l'a prend niveau 53 dans ce jeu. Ouais. Limite, il aurait fallu que je n'évolue pas Carapuce et de la prenez niveau 42. Ouais. Quant à Salamèche, dans ce jeu-là, je sais pas du tout à quel niveau il apprend Lance-Flamme, donc je préfère avoir Dracaufeu et assurer mes chances. D'autant plus que c'est la prochaine attaque qu'il apprendra. Allez, première roquette explosée ici. De toute façon, il y en a avec deux et une hyper potion. Ça, ça fait toujours plaisir. Au moins, ça que j'ai pas à acheter. J'avais pensé me faire un mini Draco, mais ça allait prendre beaucoup trop de temps au casino parce qu'on peut les acheter que par 50 les jetons. Et c'est. Tu vas le pêcher? Non, t'es fou. Non, je prendrai pas mini Draco dans ma team. Ça, c'est hors de question. Beaucoup trop de temps à évoluer. Il évolue niveau 55 en Dracolos. Et en plus, il prend beaucoup d'XP à faire EP. Donc, il y a trop de noix de coco. Mais non, j'ai déjà pris. Il me faut un type haut et un type vol, mec. Prends Léviator. Non. Je vais prendre plus beau que lui. Prends Carnage. Non, sûrement pas. Plus beau encore. T'as pas de type vol. Non. Plus puissant. Électeur. Non, j'ai un type électrique. Sulfura. J'aurais déjà un type feu. Articodin. Voilà. Articuno qui me sera vache utile pour Peter à la ligue. De plus.
Je vais me foutre niveau 50-55 pour l'affronter et je vais la défoncer. Ou alors tu prends Loclas. Bah oui, c'est ce que j'allais prendre. Et Crustabri. Non, pas Crustabri, il a pas multi-coup, mais... Ah ouais. Et Stalactite n'existait pas, il y avait que Claquoir. Ouais. Ah, Dracofeu. Ah, je kiffe ce son putain de cri comme ça. Pas comme ils l'ont mis dans XY. Ça, non, je cautionne pas. Alors. Putain, l'aspect, elle est pas terrible. On va le jouer en attaque. Hein. Bah oui. C'est pour ça que je lui ai laissé tranche. Ouais. Mais il est rapide. Ça, c'est une consolation. Moins rapide que Voltali. Il a 8 points de feu et tout, tu vois. Il n'y a pas point de feu en CT là-dedans, mais c'est dans or, hein, ça. Ultime à point, tu peux toujours essayer. Déjà fait, et je l'ai déjà dégagé pour tranche. Tranche tape peut-être moins fort, mais ça crit à tous les coups, donc autant prendre ça. Allez, quatrième sous-sol. Je remarque que dans ce let's play-là, je suis bien plus haut niveau que sur le live que j'avais fait sur Pokémon Jaune, au même moment. Ouais. Alors du fer, je vais quand même en foutre un Voltali, comme ça il aura un peu de défense. Je t'avais dit que j'aurais Dracofeu pendant cette partie-là. Allez. De toute façon, t'étais déjà niveau 34, donc bah 35, après voilà. Après, je vais me faire... Après le prochain épisode, bah ce sera l'arène. Ensuite, bah oui. Ensuite, ce sera la tour de l'avant-ville, et puis après je ferai la route, la piste cyclable, puis la cinquième arène. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Blindé. Ouh, il a presque one-shot. Ouais, moi je te dis, Giovanni me fait pas peur. Vraiment pas. Bah, en même temps, t'es préparé, au pire t'as Mew. J'ai pas besoin de Mew. Mon trio pitcher à lui tout seul peut le tuer. Ampleur. Il n'y a pas ampleur là-dedans, mec. Ouais, tunnel, c'est... hein, juste tunnel. Ah, j'ai du mal, ça fait tellement longtemps. Ah ouais, hein. Il y a des attaques que tu dois te sortir de la tête, hein, pour ce jeu-là. Ouais, je suis lent. C'est comme pour les attaques électriques. Les seules attaques électriques qu'on possède ici, c'est quoi? Éclair, point éclair, tonnerre, cage éclair et fatal foudre. Ça me fait mal le con. C'est vrai que Trio Picard a une défense de merde. J'espère seulement qu'il sait faire force. Oui. Parce que ça, j'en aurais besoin. Sûrement. Je suis pas sûr, figure-toi. Parce que s'il sait pas le faire, je vais devoir changer de Pokémon. Mec, il sait d'office faire force. Mmh. Il sait pas faire coup. Alors qu'il sait faire tranche. Ouais, je sais bien. Narmol. Parce que ma force à la base, je voulais le foutre sur Dracofeu au moins. Mais je vais pas pouvoir. Et ils sont vraiment nuls en face. Hein. Ah, beau. Blindé. Ah, mais c'est Arbok après, normalement. Ouais, mais Arbok il va se faire one shot par le tonnerre de Voltali. C'est pour ça que j'ai préféré pas placer tout de suite. Comment il s'appelle déjà ? Trio Picker contre eux. Mm. Pour le garder pour Giovanni. Tu le soignes. Parce que sinon, Voltali... Non, bah, pas le soigner, mais l'utiliser contre lui. Mmh. Ouais, mais... Bon. Ah, bâtard. Non, Voltali, tu fous ma gueule. C'est mieux, je préfère ça. Sérieux, il a fait... Attends, il a pas fait boule armure. Je crois que si, en fait. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai juste remarqué qu'il a tenu. Il a tanké ma vive attaque, quoi. Ça me fout les boules. J'aimais bien le glitch d'Arbok. Cette époque. Le sprite. Ouais. Ouais, il est cool. Tu vois Arbok, tu disais. Ouais, mais il tient pas de toute façon au SP. Non. Il tient à rien, Arbok. Il est nul à chier. Hein. Ouais. Allez. Ça serait bien par contre de voir un méga Arbok. Méga Smogogo. Ouais, pour faire honneur à James et Jesse qui ont tellement perdu. Mais oui. Mais même pas pour ça, ce serait stylé. C'est marrant quand même qu'ils ont leur phase, hein, des fois. Que récemment, ils ont failli battre Sacha.
Pour l'instant, ils ont des bons bouquets. Hein. Bah ouais, Mickey, attends. Et Chelours. Ouais, Chelours, c'est pas eux quand même. Pas encore. Ce serait marrant quand même. Ouais. Ça leur ferait enfin un excellent Pokémon. J'ai un doute. Parce que le meilleur Pokémon qu'ils ont eu jusque-là, bah c'est Vipère et Vortente. C'est tout. Mais alors, c'est vraiment tout. Ouais, Yoko. Et pourtant, c'est pas. Non, Yoko, il est pas ouf. Hein. C'est Vipère l'éclate. Hein. Ouais. Mime Junior, c'est Pierre qu'il avait. Non, c'est James. Non, c'est Pierre. Non, il avait Manzai, lui. Juste. C'est James qui avait Mime Junior. Ouais. Kangourex. Ah, oui, en plus, il n'y avait pas de sexe, mais on sait quand même que c'est une femelle. Hein. Et oui, il était cool, il est stylé. Ouais, et super dur à capturer au parc Safari. Ça varie, ouais. Déjà, à trouver, c'était l'horreur. Ah, comme les Vénards et Asakete, Scaraboud. Le Vénard, moi, j'allais pas le capturer là, j'allais le capturer à la Kéla Mazuré. Et le mini Draco. Ah non, le mini Draco, tu faisais un coup de pêche au Mégacan et tu le trouvais rapidement. Ouais, pour le capturer. Par contre, à capturer, c'est autre chose. C'est pour le capturer. Mais lui, pire. Lui, il fuit. Oui, dans le parc Safari, ça fuit. Ouais. En plus, il est pas si fort dans le jeu, quoi. Et un Segator non plus, il est nul. Il sait faire cruel, mais... Ouais, mais c'est juste pour la collection, à ce moment-là. Ouais. Moi, je l'ai pas eu comme ça, un Segator, je l'ai acheté. Ouais. Comme moi, pour Rigon, j'avais pas le choix, de toute façon. Pour Rigon, on peut pas le trouver, de toute façon. Bah, au... Non. Au hein. Au casino. Ouais, au casino, ouais, mais tu peux pas le trouver autrement, quoi. Non, non. Fais chier mon trio Picker et KO avant la reine, ça craint. LR ? Ouais. Mais je l'ai déjà vu, mec. Non, mais elle est belle. Oh, deux fois. Ouais, en même temps que je vous parle, GGM lui est en train de faire une petite partie de Dokkan Battle. Oui, mais je reste sur ta vidéo, hein, ne t'inquiète pas. Ouais, ouais, ouais. Allez, le dernier Rocket, normalement Voltali il monte de niveau, c'est sûr. Et la prochaine arène, mais je vais te la bâcler, mais avec Mew et Dracaufeu et Trio Pitcher, je vais les défoncer. Fais comme tous les dresseurs pour XP. Hein. Je fais toujours tous les dresseurs, mec. Et voilà, le Voltali niveau 32. Smog. Mew au niveau 29, déjà 104 points de vie, ça c'est très bien, c'est parfait, rien à dire. Il y en a qui vont me taxer d'être un peu naze pour jouer Mew parce que voilà, il casse un peu. C'est vrai qu'il casse un peu le jeu, mais j'ai pas vraiment beaucoup de choix dans ce jeu là. À la Kazam, c'est même pas la peine d'y compter parce qu'il me faut un câble Link que j'ai pas. Donc voilà quoi. Pas très pratique. Pas pratique du tout, même. Pourtant, j'y ai pensé à la Kazam parce qu'il est putain de bon dans ce jeu. Faut évoluer. Bah ouais, faut un câble Link. C'est ça le problème. Ouais. Et pareil pour Ectoplasma. Et comme on n'est pas sur Game Boy. Ouais. Pour Ectoplasma, Grolem. Et Maconieur. Il faut télécharger Pokémon jaune ou rouge bah, y a le sur la DS. Hein. Ouais. Et là, avec ça, tu peux échanger par Wi-Fi. Et en plus, tu peux faire. Tu peux le capturer en plus, toi maintenant. Il faut l'acheter. Oui, il faut l'acheter. Autant capturer avec un émulateur, c'est mieux. Ouais. De toute façon, on possède les jeux. Donc. On n'aura jamais de problème à ce niveau-là. Limite, je me demande si je vais même pas me faire la reine maintenant. Pour faire un peu plus de contenu, parce que la précédente vidéo était trop courte à mon goût. Tu peux. Ouais, allez, je vais faire ça. Disons que la prochaine vidéo, la suite, l'épisode 10, ce sera vraiment la tour de la Vanville, quoi. Ouais. C'est fiché, je voulais que ce soit le 13, moi. Rien que pour le chiffre. Allez, la reine plante. La reine d'Erika. Je vais l'exploser. Je vais toutes les exploser, d'ailleurs. Alors, Chétifleur, c'est bon, je crains rien. Un séisme, il est mort. Un séisme, je n'aime pas séisme. Oui, parce qu'à l'époque, que tu sois type plante ou non, si t'avais le malheur d'être type poison, bah l'attaque, tu la prenais quand même dans la tronche, quoi. Ouais.
Allez, boost Leaflore. Allez, Mew, vas-y, va lui éclater sa race. J'ai l'impression que je serai d'un bon niveau avant d'avoir le class, donc il faudra que je le farme, celui-là, à niveau de l'XP. Et ça va être long. Oui, je sais que je suis trop fort. Attends, qu'est-ce que tu crois, toi? J'ai Mew, j'ai Voltali et Dracaufeu. Qu'est-ce que tu veux tuer une équipe pareille, toi? Et Trio Kicker. C'est le plus naze de mon équipe. Quoique, Voltali se fait défoncer. Hein. Bah ouais, clairement. Voltali, ça vient faire dessus. Dracaufeu, par contre, il peut le battre. Et même tranquille. Dracaufeu, en fait, à part Voltali, il peut se faire toute ma team. Hein. Ah non, il peut se faire Voltali aussi. Parce qu'il est plus rapide que lui. Et il a tunnel. Mais Voltali peut apprendre tunnel. Oui, mais sur un Dracaufeu, ça sert à rien. Ah oui. Il est type vol, hein. Ouais. Bâtonnet. 2856 et lui 3151. Voilà, bon. Pourquoi tu me défies pas, toi? Je suis belle, hein. Ah ouais, hein. Un peu comme le truc qu'on a vu hier. Tu te souviens? L'émission un peu débile. On avait parlé avec Aurel. D'ailleurs, je me foutais bien de la gueule de la meuf tellement elle était conne. Mec, je m'en souviens plus. Vaut mieux pour ta cervelle, mec. Vaut mieux. Perte de neurones en 2 secondes. Allez, on va spammer le psycho vu qu'il y a que des types poison ici. Mystère. Qui va se faire éclater aussi. Bye bye. Voilà, voilà, niveau 30, donc je vais pouvoir passer sur Dracaufeu et ses petites flammes mèches. Métronome, pas question. Oh si, mec. Non, sûrement pas. T'es pas marrant. Non, je suis pas marrant. Non, je tiens à avoir des bonnes attaques sur Mew. Limite, je peux apprendre force à Mew. Ouais. À la place d'Ultima Point. Tu prends aucun risque en vidéo, c'est chiant. Ouais, ça. Le risque que je pourrais prendre, c'est de faire un Nuzlocke à partir de maintenant, mais vu le niveau de ma team, ça sert à rien. Un Nuzlocke, enlève Mew alors. Hein. Mew est pas invincible, mec. Bah. Enfin, bon, vu son type. Ils sont pas forts hein, dans le jeu. C'est vrai. Mais il y a des Pokémon qui tapent fort quand même. Non. Des ultra-lasers, ça peut faire très mal. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mec. Ouais, il y a que Dracoleceptera qui tape ça. Et Léviator. Et oui, ultra-laser est physique. Voilà, tu vas en voir et quand. Ultra-laser, c'est physique temps, là-dedans, hein, mec. Oh, mais t'as le temps. Ouais, c'est vrai. Les risques, je vais les prendre à la ligue, hein, mec. Je serai dans les niveaux 50. Hein. Bah. Dracaufeu 55, Loclas 53. Comment il s'appelle déjà? Trio Picker, si je l'ai encore. Si je m'en sers encore. Articodin et Voltali 51 et Mew 49. Ouais, Mew 49. Mais ça suffira amplement pour me faire toute la ligue. D'autant que j'ai prévu une équipe cible pour chacun. Allez, Flamèche, mon gros. Je sais pas si j'arriverai seulement au niveau 55 là. Oh non, oh non, Malia. Non, tu crains. Voilà, ça s'est fait. Est-ce que je me suis fait le dresseur tout à droite? Je pense que oui. Hein. Ouais, je me la suis faite. Il m'en reste plus que 3 avant
La championne. Ouais. Je me serais bien pris un Marowak. Mais ça tueur. J'ai oublié d'envoyer la lutte. Alors, Mystherbe. Tu vas te prendre un tranche, toi, pour changer. Voilà, explosé. Ortide. Lui, je vais lui faire un tunnel pour être sûr de lui infliger un max de dégâts, même si je suis pas stabé. De toute façon, je m'en balèque. Voilà, terminé. T'avais pas besoin de taper un critique, un drague au feu, franchement, violent. Il y va à fond. Ouais, il rigole pas lui non plus. Alors, top dresseur, boostifleur, ok. Ça va taper le flamèche. Putain, flamèche quoi. L'attaque juste abusée par excellence, la meilleure attaque feu du monde. Ça le one shot. Mais c'est un crit. Déjà. Oh, il y a un truc que je ferais bien d'apprendre à Voltali quand il l'aura, c'est d'arnuer, mec. Super utile. Ouais. Parce que les attaques insectes touchaient les types poison à l'époque. Et les types spectre. Et ah les types plantes et les types psy. Donc t'imagines, un Florizarre, il prend cher dans sa gueule et noix de coco encore plus. Ouais. Pour cause. Psy. Et plantes. Ouais, ouais. Point 4. Alors bon, je veux bien sur un Mewtwo, va jamais essayer de taper un double dard sur un Mewtwo, quoi, ça va rien lui faire. Limite, paralyse-le. C'est le meilleur moyen, c'est le meilleur conseil que je puisse donner pour tuer Mewtwo dans ce jeu. C'est de le paralyser et prier pour lui placer un abîme avec Trio Picker. Parce que les autres sont trop lents pour lui faire. Alors, après c'est 9-9, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser face à 9-9, Dracofeu, à la limite. Toi, oh. je vais t'écraser comme une puce. Comme une puce, ok. J'ai pas vu. La haine. Nanaf. Je vais me faire une omelette. Il était trop stylé lui comme ça. Ouais, j'avoue. Il était, je trouve que sa forme elle était abusée. Ouais. Un que j'aime bien c'est Ampiflore moi là-dedans. Il était, je le trouvais super stylé, je le voulais moi. Ouais, ouais. Mais il n'y avait pas moyen de l'avoir dans la rouge. Il fallait avoir la bleue. Moi j'avais la bleue. Ou la jaune. Mais dans la jaune il est très moche. Je trouve d'ailleurs que les... Non, je trouve les splits des Pokémon dans la jaune sont très moches. Non, moi justement je trouve... Celui de Mewtwo je le préfère là-dedans par exemple. Moi. J'aime bien les tous de toute façon. Je les aime bien tous. C'est vrai que je dois me méfier. Non, je vais quand même taper Mew. J'aime tout jusque non. Noir et blanc. Ça dépend. Moi, je trouve que le sprite de Mewtwo dans Rouge Feu, il est dégueulasse. Sa tête, elle est biscornue, c'est... Ah, je sais pas, moi, ça me rappelle des bons souvenirs, donc j'aime tout. Par contre, dans Diamant et Perle, le sprite de Mewtwo, il était classe. On sent la puissance émanée du bestiau. Mm. Je kiffe cette musique. Tote. Et à vous, Ampiflore était stylé, hein. Quand même, il ressemblait à Ampiflore. Ouais. Au moins. Oui, c'est sûr. En plus, celui-là, il tape tranche herbe, je crois. Ah, il essaie pour dodo. Ok, prends tunnel. Et crève, s'il te plaît. Et merde, il a. Il va moins de shot. Merci d'être passé, Trio Picker. Putain. Il l'a OS, l'enfoiré. Voltali peut pas faire grand chose. Allez, bon, bah ce sera Mew qui va terminer ça. Hein. Avec son psycho, il est capable de tout. Fais dodo. Après, il y a le tank. Sa queue de neuf. Et c'est Dracofeu qui va se le faire. Quand même, elle est beaucoup plus dure à battre dans la jaune parce qu'elle est niveau 32, je crois. Mais c'est ouais, après, c'est les champions, ils deviennent abusés. Après, elle, les champions, ils sont abusés, ils ont 18 niveaux de plus. Ouais. Oh non, elle m'a tapé étreinte, la carte. Ah, ils sont toujours plus puissants dans argent
et or. Non, argent et or. Bah oui, tous les champions de Kanto sont plus puissants et pour cause. Ça a pris la ligue. Ouais. Mais il y en a un qui surpasse le lot, bah c'est Blue. Hein. Parce que lui, t'as Auguste qui te tape un niveau 50, lui, il te tape un niveau 58. Non, il t'en tape 3. C'est vrai, il t'en tape 3. Ouais, mais le plus puissant du jeu, c'est Red. Ouais, voilà, niveau 80, attends. Le petit tape Pikachu 80, Mentali 74, si je dis pas de bêtises. Florizarre, Tortank, Dracaufeu, niveau 77. Et Ronflex, niveau 75. Et Ronflex, c'est vraiment la buse à abattre dans son équipe. Les autres, ils sont tous à chier. Ouais, surtout Pikachu. Ronflex, il est super bon. Chiant. Le seul truc que tu pouvais espérer, c'était lui taper un Dynamo Point avec un Macogneur. Et voilà, quatrième badge obtenu. En plus, je gagne une CT qui est méga sensu. Oui, méga sensu en CT. Non, c'est giga. Et ça n'existe plus. Du moins, pas en CT. Allez, attaque coop. C'est vrai que l'ergonomie de ce jeu, elle est quand même dure à gérer, quoi, au début. Mais bon, à la longue, on s'y fait. Je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je connais. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je connais le jeu parce que. Attends, je calcule mal en plus. Ça fait 19 ans que je connais le jeu parce qu'il est sorti, j'avais 5 ans. Donc, voilà. Enfin, il est sorti en Belgique hein, quand j'avais 5 ans. Et les Japonais, ils l'avaient déjà depuis. 95, je crois, 95. Ouais. Ils ont commencé avec la version verte, mais la version verte, franchement, je l'ai testé, je l'ai trouvé super moche. Mais alors, un point. Ah la vache. Regardez par exemple, je vous donne un bête exemple. Salamèche, ici. Ça passe encore, moi, je trouve. On reconnaît Salamèche. Mais alors, dans la version verte, qu'est-ce qui peut être moche? Mais qu'est-ce qui peut être moche? C'est affreux. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pauvre Salamèche? Par contre, Dracaufeu dans la jaune, je le trouve stylé. Rien à dire. Ouais. Bah, même Trio Picker, je le trouve stylé ici. Par contre, c'est mieux, je trouve qu'il. Voltali, il est très moche dans cette version. On le reconnaît, mais il est moche. Et Mew, bah. Ouais. Oh, ouais. Il est mignon quand même. Ouais, il est mignonnet. Un mignonnet qui te casse la bouche avec sa queue. Ou ses oreilles. Encore heureux, il n'y avait pas les capacités spéciales à l'époque. Genre Call of Force. Avec Maril. Ouais. T'imagines dans l'or, un Azumarill nous aurait défoncé dedans qu'on n'en voit jamais. Et maintenant il est type fait. Ouais, en plus. Bon, bah les gens, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de casser la bouche à Erika et à Giovanni en même, dans le même épisode. Ouais. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner pour la suite et fin de l'aventure. À la prochaine. Salut.